Association des immigrants haïtiens au Brésil, ADVI, nous venons pour nous dénoncer gouvernement haïtien par intermédiaire OFNAC, ministère des Travaux publics, rivé jusqu'à Primati, qui de refuser écouter la raison pour répondre, pour débloquer vol Haïti-Brésil, qui est bloqué depuis plusieurs mois. Nous voulons rappeler, depuis la pandémie en 2020, pas de vol commercial qui existait entre Haïti avec Brésil. Celle d'une compagnie nous gagne qui était fait service, c'est celle qu'on paye Airlines. Depuis la pandémie, on a coupé tout vol sur Haïti. Ça a fait quelques entrepreneurs dans le Brésil avec Haïti qui organisé vol charter pour Haïtiens qui sont capables de déplacer, sortir Haïti pour aller au Brésil, même gens tout. Nous même immigrants au Brésil pour nous sortir du Brésil pour aller à Haïti. Depuis plusieurs mois, le gouvernement haïtien a bloqué vol. Malgré tout contact nous fait pour nous expliquer, pour nous montrer aux raisons, vol ça pour la communauté, pour permettre la famille de réunir ensemble avec un pile de monde qui joue une visa humanitaire dans le gouvernement Brésil, là, que le gouvernement Brésil a bâillé depuis année 2012, yo pas écouté la raison. Nous voulons faire l'état connecté. Pendant temps ça a bloqué vol, il y a plus passé 500 visas qui étaient perdus, qui expiré. Malgré l'état pas capable de sécurité. Par ci par là, c'est bribal, moun yo quitté la caille, yo déplacé, yo gen visa pour voyager, mais yo pas capable voyager. L'État parle by autorisation. L'important, pour nous songer que tout le monde qui a voyagé pour venir dans le pays Brésil, il y a un visa, gouvernement brésilien, by à travers l'ambassade de Haïti. Ça a montré clairement, pas de rien qui est illégal dans le voyage. Ça. Depuis plusieurs mois, le gouvernement haïtien a bloqué Mounsayo, qui a couru en bas de balle, dans le bandit Axam. Malgré Mounsayo qui a un visa, non, mais yo, yo pas de côté pour yo rete à cause de insécurité et gouvernement haïtien bloqué yo, pas de aucun motif légal pour ça. Comportement gouvernement haïtien, non seulement, li viole les droits moun yo, droits moun sa yo gen pour yo voyager, mais tout li montre responsabilité directe gouvernement gen, les moun sa yo rive victime en babal. Et li montre irresponsabilité gen pour yo gérer les affaires l'État. Malgré toute démarche qu'on fait, ils n'ont pas écouté la raison. De ce fait, nous-mêmes, nous baillons l'État dans les semaines qui viennent. Si ils n'ont pas libéré vol, nous prenons des décisions, nous mettons des pieds à terre pour nous empêcher l'État de fonctionner. Les décisions, ça, que nous avons pour nous prendre. Nous avons commencé à faire des démarches diplomatiques de côté du gouvernement Brésil là. Jusqu'à ce que le gouvernement haïtien justifie motif blocage vol Haïti-Brésil. Nous avons fait des marches juridiques pour nous porter plainte au niveau international contre le gouvernement haïtien pour violation de droits de l'homme, habit à complicité. Troisièmement, nous avons disposé pour nous faire reporter ambassade Haïti dans le Brésil jusqu'à ce que nous prenions une décision débloquée rapide. Et nous voulons faire connaître. Quel grand compatriote qui arrivait sauver grand visa? C'est ce domaine qui a été passé. Et quelques fois, voyage, ça a coûté plus de $3,000 pour y passer par ce domaine. Ou bien, vous jouez, vous t'y avion qui a été au Jamaïque. Là, vous avez Jamaïque pour prendre l'autre avion pour faire transborder. C'est des voyages qui coûtent mon yo en pile l'argent. Et nous voulons rappeler, moun sa yo ka vin Brésil, c'est pas vous qui avez bon moyen d'argent pour dépenser tout pile comme ça. C'est peut-être ça. La meilleure solution pour moun sa yo, c'est vol charter yo pour l'État débloquer rapide. Moi, j'ai une famille, moi, Haïti, madame, petit, frère, qui joue un visa depuis le 1er mois janvier. Moi, pas de moyen économique pour me faire passer par Saint-Domingue. Moi, j'ai demandé, puis yo délibéré vol yo pour moi, s'il vous plaît, pour yo juste que yo sauver la ville. Y'a souffri. Visa yo presque fini. S'il vous plaît. Je demande que vous délibérez le vol pour moi. Madame, mon frère, famille, a souffert en bas. Bon, Josiane, et
adressé nous, avec le gouvernement haïtien, plus précisément, avec OFNAC et le ministère de la République, qui est le principal monde qui est responsable pour débloquer le vol charter qui peut sortir de Haïti vers le Brésil. Parce que le gouvernement brésilien lui-même, il y tout feu vers lui. Nous avons dit qu'il y a là, et dernier mois, c'est dans le gouvernement haïtien. J'en confrère, nous avons parlé tout à l'heure, il y a un peu de famille, un peu de monde qui est ici, qui a tant de familles aux Haïti pour vivre ensemble avec. Et moi-même, je fais partie de mon salaire, donc je ne suis pas différent dans la situation. Donc, nous avons adressé avec le gouvernement haïtien, tant pris pour nous comprendre la situation. Parce que le gouvernement brésilien a déjà beaucoup de possibilités pour venir. Ça, il y a déjà et des centaines de visas qui ont expiré, qui se trouvent dans une situation difficile. Et même si nous avons dépensé un paquet de coûts pour passer, et depuis la semaine passée, le gouvernement dominicain a pris une décision pour le monde et plus précisément haïtien pas transiter la Caraïbe pour venir au Brésil. Donc, dans cette situation, nous avons demandé au gouvernement haïtien et par le biais de l'OFNAC, ministère des Travaux publics, tant pis, pour comprendre la situation des compatriotes haïtiens qui vivent en dehors des pays, qui est le Brésil, pour capable faire tout ça qui dépend de nous, pour capable libérer le vol charter, parce que pas de vol commercial sur Haïti. Haïti, Brésil, depuis presque à 5 ans. Donc, c'est seulement un mot qui est le vol charter. Et nous avons une famille, nous avons un frère, nous avons une madame, nous avons une maman, nous, papa, nous, pour rejoindre nous ici au Brésil que l'absence fait nous du tout pendant des années. Donc, dans le cas, nous souhaitons que le gouvernement haïtien entende les cris nous et le plus que possible pour libérer le vol pour nous, pour faire nous capables de rejoindre. Déjà, nous disons grand merci et puis, en tant que conscient, le plus vite que possible. Les Haïtiens écoutent la raison. Ce n'est pas parce que nous connaissons madame, petite, nous, des visas aux États-Unis. S'il y a voyagé, il n'y a pas besoin d'Amérique latine. Mais nous-mêmes, communauté haïtienne, qui n'a Amérique latine, nous-mêmes, c'est cet espoir ça. C'est seulement, bon, ici, à que nous avons venu, nous avons demandé pour écouter la raison. Parce que en pile, nous attendons, en pile, nous avons souffert. Il y a tant de familles, nous avons demandé aux gens d'association aujourd'hui, nous faire conférence de presse pour nous aviser aux qui mesure la presse. Nous avons souhaité écouter la raison pour nous pas arriver dans une situation où nous allons camper devant l'ambassade ou dans le pays à l'étranger. De ce fait, Premier ministre Galconi, M. Raphaël Osti, ministre des Travaux publics, M. Joseph Laurent Dumas, nous avons demandé pour nous écouter la raison pour presser. Nous prenons toute décision qui est bon pour la communauté ça, pour redémarrer le vol, rapide, pressé. Abonnez-vous, salut.